Les amis, bonsoir. C'est vraiment incroyable, extraordinaire. Parce que nous, les fanatiques Barcelone, nous souffrons trop. Parce que nous n'avons pas l'argent, ça rend que nous n'avons pas acheté gros jouets. Tout jouet qui est cher, rend que nous n'avons pas acheté. Les équipes qui très millionnaire en Angleterre, qui est des milliardaires, des millionnaires qui accompagnent eux, rendent mes cas compliqués. Parce que jouer qui vaut 50, 40 millions d'euros, je dis à payer 100, 110. Et ça fait mais quand on a vraiment compliqué, je ne vous dis pas. Enfin, d'après journaliste Fabrizio Romano, Barça et Leeds United concluent un accord pour Rafinha, que journaliste a publié sur compte Twitter. Barcelone a un accord complet avec Leeds United. A fait conclure. Pour 58 millions d'euros et frais additionnels jusqu'à 68 millions d'euros. Leeds a accepté aujourd'hui même et maintenant toutes les parties clés en pourparlers. C'est vraiment important parce que nous connaissons une équipe de football qui est visée pour le champion. Il doit y avoir des joueurs qui sont capables de jouer dans ce poste-là. Rafinha, international brésilien, qui jouait à Leeds de octobre 2020 jusqu'à maintenant. Terminé à 11 buts et 3 passes décisives. C'est vrai, le minime, mais c'est progresser, jouer à progresser. C'est continuer à continuer, progresser. C'est vraiment important. Leeds faille descendre dans la deuxième division. Rafinha qui a marqué. Dans le dernier match, Rankin Leeds maintenu dans la Premier League. Bon, d'après le journal Sport, plusieurs médias, plusieurs journalistes, demain, capable de un gros jour pour Rafinha, qui a une possibilité pour lui atterrir à Barcelone pour passer une visite médicale. Et signé contrat li avec Barcelone pour 2027. Un contrat 5 ans. Jouer ça, li en concurrence avec Dembélé, qui a une possibilité pour signer un contrat de 2 ans à Barcelone lui-même, pour ailier gauche là. Si Fati et Ferran Torres pas blessé, nous avons deux joueurs ça pour ailier gauche et Rafinha et Dembélé pour ailier droit. Attaque là, nous souhaiter, nous les fanatiques Barça, nous espérer Lewandowski débarquer dans l'équipe là pour construire un trio magnifique, très important, très très agréable. Lewandowski, Rafinha, Fati, Fernand Torres, Aubameyang, Dembélé. Si joueur ça yo capable de mener attaque équipe Barcelone pour nous venir une saison meilleure et gros différente qui extrait l'âge par rapport avec saison ça nous vie là qui très difficile pour nous que nous souffrir en pile et nous vraiment souffrir. J'espère que
de mobilité et pour mobilisation en fait très vite pour défense équipe là. Parce que d'après journal, d'après média, Aspilicueta, Marcos Alonso, Jules Koundé, capable de débarquer à Barcelone. Nous les fans, j'espère que tous les actifs sont possibles. Lewandowski, plusieurs médias annoncent que Lewandowski voyageait à Bayern Munich en Allemagne hier. Seul parce que lui espérait conclure un accord à Bayern et à Barcelone pour capable jouer pour Barça. D'après l'autre média, fait qu'on est que des menaces de mort autour des joueurs qui rendent compte que lui obligé voyager seul sans famille pour capable épargner des fractures. Selon média confrère Viljana Polska, indiquant que Robert Lewandowski est revenu en Allemagne sans sa femme Anna et ses enfants. La raison, Lewandowski a tout simplement reçu des menaces de mort, notamment sur les réseaux sociaux, où les insultes ont fusé à son encontre. Robert Lewandowski espère désormais que le Barça se rapprochera au plus vite, si possible, avant le départ aux États-Unis de l'homme de Bundesliga. Des 50 millions qui pourront suffire à faire plier les Bayern sur ces épineux dossiers. J'espère que le dossier ça close totalement avant samedi. Parce que nous, les fanatiques Barça, nous souffrons beaucoup durant toute la saison. C'est vraiment souffrance. Championnat, Coupe du Roi, Ligue des Champions, très difficile pour le Barça. Mais cette année, nous espérons que pour l'équipe la changer dynamique, pour l'équipe la changer complètement et puis avancer, nous avons un seul objectif qui est primordial pour le Barça. Objectif numéro 1, Barça, saison 2022-2023, c'est champion la Liga Santander. Pendant 3 ans, sans champion, championnat, saison ça, c'est saison pour Barça champion, championnat Santander Liga Espagnola. Point bas. Nous les supporters, nous les fans, nous souffrons, nous voulons sourire, nous voulons content pour l'équipe ça champion championnat espagnol la saison ça. Parce que 3 saisons que nous pas champion, nous voulons champion championnat. Maintenant, c'est dans la dernière ligne droite, mais quand on nous prend à l'entrée, nous expliquer rempli bonne défense, Aspilicueta, Alonso, Jules Koundé, permettre que nous base, nous supplémentaire, nous garantie, qui permettent que nous suffit pour combattre avec El Mijiria qui c'est Real Madrid. Merci parce que vous êtes avec nous. Abonnez avec chaîne YouTube Bichel Tondelis là. Toujours liker, toujours commenter. Partagez, ça fait nous plaisir en pile. Merci.